parle. Rien ne va aujourd'hui. Y a quelque chose qui me dérange. Hier, alors que j'étais dans mon petit lit, tu vois, c'est vrai que sur mon Instagram, vous avez la possibilité de m'identifier sur n'importe quelle photo, contenu, même des petites vidéos ou choses comme ça. Oui, je me suis dit que ça peut être sympa si vous avez des fanarts à me montrer, des choses comme ça. Mais des fois, j'ai juste une question. Pourquoi ? On va regarder ensemble et vous allez peut-être m'expliquer après en commentaire parce que y a des fois, je me dis mais pourquoi ils font ça en fait ? Ok, alors on part sur du très lourd. Déjà, vous êtes beaucoup à faire ça. Dites-moi pourquoi. Oui ? La photo est sympa. Ouais, le décor est cool, mais pourquoi m'identifier en fait? Ah, je ne suis pas la seule. Petsora a dû la voir sûrement, et aussi Marie. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre en fait? Pourquoi tu nous identifies en fait? C'est ça que je ne comprends pas, et vous êtes très nombreux à faire la même chose en fait. Et quand je vois ça, je me dis, bah ouais, pourquoi? Quel est le message que tu veux me faire passer? Qu'est-ce que tu veux? Si tu passes par là, si tu te dis, merde, je suis dans la vidéo de Noobs, ah bah oui, va aller te poser la question en fait déjà, pourquoi tu fais ça en fait? Oui, tu es très mignon, mais je ne mettrai pas un like non plus. Je ne veux pas t'inciter à poster beaucoup de photos en m'identifiant, tu vois. Oui, bah écoute, sympa, t'étais sûrement en vacances ou ça. À Pont-au-Combourg, ça existe cette ville, je crois. Là aussi, alors vous êtes aussi beaucoup à le faire. Vous m'identifiez sur des photos où je ne suis pas en fait dessus. J'adore Marie, très clairement, mais pourquoi je suis sûre en fait? Pourquoi en fait? En plus, tu mets love, Marie, on t'aime. C'est-à-dire quoi? Regarde, j'aime plus cette youtubeuse que toi. Toi, je mets des dislikes à toutes tes vidéos. Salope. Non, mais je comprends pas en fait, putain, vous êtes nombreux aussi à faire ça. Bon, ok, mais pourquoi en fait? Ah, ça j'aime par contre. Alors ce dessin est magnifique. Par contre ce n'est totalement pas moi. Je n'ai pas les yeux bleus. Je ne suis pas aussi fine, je pense. C'est super joli en fait. Ça par contre j'aime beaucoup quand ce sont des fanarts qui ne ressemblent pas trop. Mais voilà, des choses comme ça. Il y en a d'autres aussi qui sont super sympas par rapport à la vidéo. Je dessine vos idées. On verra ça après. Mais sinon aussi je veux revenir aussi sur autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, il y en a plusieurs. On peut, oui, il y a encore moi. Oui, encore, ouais, d'accord, ok, d'accord. Ouais, d'accord, merci, j'aime trop Dooms, merci. C'est mon meilleur profil, je pense, voilà. Non mais attendez, il y en a, je ne sais pas combien, s'il vous plaît. Alors oui, c'est vrai, dans cette vidéo, je vous ai dit amusez-vous à faire des screens, mais pas forcément à les poster sur mon Instagram en fait. Mais vous vous rendez pas compte? Imaginez une marque comme, je sais pas, Lancôme, Chanel, Dior arrive sur mon Instagram, se dit oh, waouh, cette fille est magnifique, j'ai envie de collaborer avec elle. Allons voir sur quoi elle est identifiée. Ah, bon, peut-être que j'exagère, Lancôme, Dior, tout ça. Peut-être chez Tati. Ah non, Tati, ils ont fermé. Voilà, imaginez qu'Abby arrive sur mon profil, hein. La mode à petit prix, tu connais? Elle va se dire non, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux, cette fille avec ce quadruple menton? Hein? On dirait que j'aspire ton âme juste avec mon menton, c'était... Personne, moi, ça me fait rire, tu vois. Mais ça me fait rire deux fois. Mais ça me fait pas rire 40 milliards de fois, en fait. À un moment donné... Stop. Je me dis sérieusement, si j'étais célibataire, imaginez-moi dans un restaurant avec un beau garçon, on est en train de discuter et là il me dit « Tiens, tu n'as pas Instagram, Dooms ?» Moi je lui dis « Mais si, vas-y, regarde et tout !» Et là il tombe sur ça, ou il tombe sur ça, ou sur ça. Et ben le mec s'en va en courant. Voilà, merci les amis. Alors ça c'est le pire du pire du pire. On dirait une vieille meuf en mode drama, tu sais. Non ! C'est l'extrait d'une vidéo sur la chaîne de Sense Up où elle a fait 24 heures dans la peau de Dooms ou je ne sais quoi. J'étais en pyjama, pas maquillée, normal quoi, et quelqu'un a pris un magnifique screen. Merci, merci beaucoup, je suis en valeur sur cette photo. Imaginez, voilà, moi, célibataire, le mec tombe sur ça, bah c'est bon, c'est fini. Heureusement que j'ai mon chéri qui me connaît par cœur, hein. Ah putain. Donc voilà, à cause de ça, les amis, vous me faites perdre de l'argent. Les marques ne s'intéressent pas à moi. Ah putain, c'est trop de réflexion de fils d'up. Mais non, non, je rigole vraiment, hein, mais ça me fait juste rire, mais à un moment donné, arrêtez de me spammer de ça, quoi. Mais bon, à la rigueur, ça va encore parce que ça me concerne. Mais il y a beaucoup de choses qui ne me concernent pas et je suis identifiée dessus. Julie, new post. 20 à Bob. Merci. Oui, merci Julie, mais t'es qui? Alors Julie, oui, tu as des magnifiques abdos, je suis un petit peu jalouse, vois-tu? Mais pourquoi en fait? Voilà, c'est la même question, mais... Non, franchement, il y a quelqu'un qui s'appelle Dooms dans ton entourage et tu t'es trompé en fait. Ça se trouve, la meuf, elle me connaît même pas. S'abonner en retour. Ah bah ouais, tu me connais. Non, mais je ne comprends pas. Ah, on a encore Marie, ma petite Marie. Je donnerai tout pour toi, hâte que tu reviennes, Riri. Et moi, je suis identifiée telle une plante verte. Je ne sais pas pourquoi. Julie, le retour. Super journée à Poudlard. Ah bah, je suis très contente pour toi, Julie. Live is beautiful. Putain, en fait, j'ai vraiment l'impression d'arriver en soirée où je connais personne, en fait, et voilà, j'ai pas ma place, en fait, tu vois. Et bah, c'est pareil, j'ai pas ma place sur ces photos-là, je comprends pas, en fait. C'est voilà, je suis invitée à une soirée où je connais personne. Bah, c'est la même chose, j'ai le même sentiment que ça, tu vois. Je suis invitée à une soirée, mais pourquoi? Enfin, voilà, je comprends pas. Ça, j'aime. Ces dessins concernent la photo où j'avais dit, je dessine vos idées, et ça, j'adore, j'adore. Plus, c'était vraiment le portable en mode cowboy, et c'est trop stylé, ou par exemple, la carotte dans un café, c'est ça, j'aime qu'on m'identifie ici, je trouve ça trop stylé. Pour moi, vous
montrer votre talent et j'adore ça, tu vois. Même Osana qui a fait un petit dessin plutôt mignon. Par contre, Camille, est-ce que c'est un dessin? Je suis censée dire quoi, moi, putain? Vous attendez quoi de moi, en fait? Ou ça, aussi. Alors là, c'est pire que tout. On a carrément caché ma gueule, quoi. Genre en mode, le clown est plus beau que toi, donc ta gueule. Je le perçois comme ça, voyez-vous. Je comprends pas le sens de cette photo, en fait. Ou sinon, l'affiche de Stranger Things. Bon, après, c'est rigolo, on va dire. La gueule de Sora avec cette coupe de cheveux, putain. Moi, je suis minuscule, je suis en mode dégueulasse, là, tout en bas. Mais bon, bon, fan de Sora, ça dit tout. Tu es fan de Sora, donc Sora, on va le mettre en gros plan. Et Dooms, ouais, à la limite, je la tolère parce qu'elle est sur la chaîne de temps en temps de Sora, donc on va la mettre tout en bas à droite. Putain, on dirait une photo de classe, tu vois. Ah, tout. Ah putain, alors toi, t'as un pseudo, excusez, j'arrive pas, hein. J'ai peut-être un peu abusé au niveau des identifications. Non. Non, du tout. Dooms, vodka, univers. Valentin, Amix. Ah ouais, non, mais tu espérais quoi, en fait? D'accord, ok. Sympa la photo. Il y a un petit potentiel de mannequin, là, on le sent bien, là. Vous riez de moi car je suis différente, mais moi, je ris de vous car vous êtes tous les mêmes. Bien envoyé. Waouh, putain, toi aussi, t'as abusé sur les identifications. Tu voulais vraiment faire passer ton message. Bah voilà, il est passé, écoute, hein. Ah, c'est qui ça? C'est chez moi, ça. Pensez à toutes les personnes absolument pas athlétiques qui se lancent dans la randonnée. Est-ce que tu viens pas de me foutre une tarte dans la gueule, là, gentiment? Je suis une sportive, ok? J'adore ces chaussures car elles me rappelle Dooms. Je comprends pas, en fait, à quel moment ça te rappelle moi? À moins que tu trouves que cette paire de chaussures ressemble à cette tête, tu vois. Là, peut-être que tu te dis, hey, mais c'est Dooms, en fait! Un truc comme ça, ou sinon, tu te dis, waouh, avec cette paire de chaussures, j'ai bien envie de défoncer la tronche de Dooms, tu vois. Genre, me foutre un coup comme ça dans... Je le perçois comme ça, parce que une paire de chaussures te fasse penser à moi, c'est même pas comme si je vous partageais toutes mes paires de chaussures, quoi. I don't understand! Ça aussi, c'est mignon! Ah, mon sucré et tout. Oh, bah, franchement, ça, j'adore! Nous avons Picasso avec nous. C'est super gentil, mais franchement, je vois bien exposé avec Picasso et toutes ses œuvres. Waouh! Alors, dessin en couleur 35 minutes, Dooms. Il y a un problème avec mes yeux, non? Je pense que tu peux rejoindre les expositions de Picasso aussi. Amélie, le chemin est par là. C'est sympa, Amélie. L'attention y est. Ah, je t'honnête à un moment donné, Amélie. Tout va bien, sauf le niveau des yeux. Il y a un problème au niveau des yeux. Oula, on a You qui fait sa petite rebelle. Peu importe si ça tue, au pire, je mourrai plus vite. On est tous destinés à mourir. Alors aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, je veux juste me sentir vivante. Oh, You la rebelle. Non, mais sérieusement, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, sérieusement? Déjà, en plus, non, c'est nul. Je trouve ça nul de fumer. Mais pourquoi m'identifier dessus en plus de ça? Thug Life. Tu es trop jeune pour fumer, de te niquer la santé comme ça. Et avec le suivi de la petite description en mode Skyblog année 2000, bon, voilà. Ah, toujours à mon avantage. Ah, putain, c'est abusé, la tête de triste que j'ai. Non, franchement, c'est le dessin est très beau. Ah, c'est magnifique. J'avais pas vu celui-là. J'ai fait ce fanart pour Dooms, une de mes youtubeuses préférées avec Edwige, son épaule. Oh, si tu ne la connais pas, abonne-toi à sa chaîne YouTube, elle est juste... Oh, il est trop beau, il est magnifique. Oh, je l'ai même pas vu celui-là. 7 juillet, putain, je vais mettre mon petit like en retard. Désolée si tu vois cette vidéo. Il est super beau, mais j'arrête pas de me répéter, mais ça, j'aime. Que vous m'identifiez sur des fanarts, que ce soit au crayon, sur ordi, des choses comme ça, c'est cool, quoi. Ou ça aussi, j'aime bien. Comme ça, ça me rappelle de moi. Pour moi, ça me fait des souvenirs, des conventions que j'ai faites, et ça, c'est cool, quoi. Putain, mais attendez, ça va pas du tout. Là, on se croirait sur Facebook. Une maman inquiète fait de meilleures recherches que le FBI. Mais pourquoi, en fait, je suis identifiée dessus? Excusez-moi, là, j'ai des palpitations, là. Là, on retourne sur Facebook, là. Ah, je suis aussi identifiée sur une poule. Une jolie petite poule. Pourquoi? Oulam ou je ne sais quoi. Ah, encore une photo de Oulam. Alors oui, Oulam. Oulam, je ne sais pas comment se prononce son pseudo, mais je pense que tu as cru que c'était ton Instagram, en fait. Pendant un temps, tu as posté assez régulièrement. Tu t'es dit, bah, c'est mon Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Tu sais, tu m'as foutu un coup de pied dans la gueule. Tu m'as dit, je vais poster plein de photos de moi sur ton Instagram. Et alors, tu vas faire quoi? Je pense que c'est ça ce qui s'est passé. Ah, encore Oulam, ma maison, d'accord. Oh, c'est mignon. Oh là là, ça te fait des souvenirs sur mon Instagram. Non mais attendez, même dans les hashtags, vous m'identifiez même pas. Il y a aucun rapport avec YouTube, en fait. C'est ça qui est fou. Vous devez vraiment vous tromper, en fait. C'est pas possible. Je pense que ouais, vous devez vous tromper. Sun, Born on the Beach. Mais ouais, mais c'est cool. Mais ouais, YouTube, influenceur, encore, je sais pas ce que tu veux, mais pourquoi? For you, holiday, love. Mais pourquoi? Putain, parce que je n'étais pas en vacances, c'est ça? Et il y en a beaucoup de ce qu'avoir encore avec des screens avec Sora. Oui, bon, ça peut être drôle et tout. Quand on a des screens ensemble et tout, ça va. Mais quand je vous ai montré où vous identifiez que votre youtubeur favori sans que je sois là, enfin, je sais même pas moi, je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas le délire, quoi. S'il vous plaît, arrêtez de vous identifier dessus alors que ça n'a aucun rapport avec moi. À un moment donné, bah, je vais devoir enlever l'identification, quoi. Ça me fait un peu chier parce que j'aime beaucoup voir ce que vous faites comme dessin et choses comme ça, comme je vous ai dit, mais
j'avoue que sinon ça n'a pas de sens. Les screens de temps en temps, ça va. C'est rigolo, moi ça me fait rire. Franchement, de voir ma gueule en mode déconfite, ça n'a aucun sens. Moi ça me fait rire. Mais par contre, quand vous, c'est juste vous en vacances ou choses comme ça, et que ça n'a rien à voir avec YouTube, et pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Bon, j'espère que mon petit message de type sympathique, bon, vous doutez bien, c'est une vidéo à prendre quand même au second degré, vous me connaissez, je suis toujours très taquine avec vous, hein. Et vous l'êtes régulièrement avec moi, hein. On en parle aussi de tous les screens ou même vos commentaires ou choses comme ça, donc de temps en temps, c'est moi qui ai le droit de l'être. C'est moi la chef, c'est moi, c'est une dictature, ok? C'est moi le boss ici, ok? Bon, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, à commenter et à partager, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et moi je vais disparaître maintenant!